Nous sommes au sens propre. Euh, nous devons défendre les intérêts de nos citoyens, de notre peuple. Nous devons créer un avenir pour un développement souverain et durable de notre pays. Et je ne pense pas, mais les résultats, euh, et en particulier la. Le taux de participation montre que les gens, les citoyens ordinaires, sentent cela. Ils comprennent ce qui dépend d'eux, c'est-à-dire beaucoup. Encore tout récemment, je l'avais dit dans une interview avec M. Kissilov, c'est-à-dire que le citoyen ordinaire a compris dans son cœur que il a, le pays a besoin de lui et que c'est de lui que dépend l'avenir de la Russie. Et c'est ce qui explique cette participation exceptionnelle. Les gens sont venus pour réunir les conditions favorables à la cohésion intérieure de notre pays pour continuer à aller de l'avant, pour, pour que cette cohésion nous permette, sur la ligne de front, dans le domaine de l'économie, dans le domaine du développement, dans le domaine intellectuel, dans le domaine social. Nous avons beaucoup de projets euh, sociaux, nous avons d'énormes projets pour l'avenir. Les gens sont venus pour réunir ces conditions favorables au développement et au renforcement de la patrie, la Russie. Voilà, tout s'explique. Allez-y. Euh, Agence NTV, quels sont les défis que vous voyez aujourd'hui De quoi quels défis vous voyez pour votre mandat Je pense qu'il s'agit d'abord de mener à bien les objectifs de l'opération militaire spéciale, d'assurer la capacité de défense de notre pays. Nous voyons un, un excellent rythme dans la production de notre euh, armement en matière de développement de notre pays. Lors de mon allocution à l'Assemblée la, la, fédérale, j'ai encore identifié les objectifs que nous avons et nous vont utiliser la conscience des citoyens de la Russie et faire tout ce qui dépend de nous pour, pour que tous les objectifs fictifs et fixés soient atteints. Allez-y. Monsieur Poutine Agence Mire, qu'est-ce que maintenant vous voulez dire directement aux citoyens Je viens avec l'équipe de, de l'état-major, c'est ce que je viens de dire. Je remercie tous les citoyens de Russie pour la confiance que vous me témoignez. Je ferai tout ce qui dépend de moi pour résoudre les missions que nous nous sommes fixées et parvenir aux résultats qui sont absolument prioritaires. Je vous remercie. Allez-y. Tout d'abord, je vous félicite, Agence Life, et donc euh, euh, votre le gouvernement va devoir euh, présenter sa démission. Est-ce que on va attendre jusqu'au 7 mai ou est-ce que déjà vous avez une équipe que vous mettez en place Vous savez, le résultat du travail des dernières années a montré que dans l'ensemble l'équipe administrative au sens le plus large du terme est très efficace et que les résultats du travail mené sont satisfaisants, comme je l'ai dit récemment. Ça concerne le gouvernement, la Banque centrale, l'administration présidentielle. La question, c'est de définir maintenant qui, à quel poste, sera le plus efficace pour faire le travail, pour que le résultat final de l'équipe soit le meilleur avec les collègues, avec le gouvernement, avec l'administration, avec euh, euh, la direction de la Banque centrale, c'est un élément important, de l'équipe dirigeante qui travaille sur les questions de macroéconomie, de stabilité macroéconomique. Tous ensemble, nous réfléchissons, nous discutons dans une atmosphère de camaraderie, pas d'inquiétude, pas de précipitation. Nous avons donc. Euh, euh, presque deux mois et demi aujourd'hui pour parler de tout ça et c'est ce que nous allons faire. Donnez le micro là. Ou de ce côté. Agence Interfax, bonjour. Les derniers événements dans la région de Belgorod avec ce corps de légionnaires russes. On sait que c'est une force qui est présente. Oui, vous savez, à l'époque de la Grande Guerre Patriotique, il y avait des, des groupes de traîtres à la patrie qui s'étaient formés. Les soldats de Vlasov, ils ont aussi lutté contre leur patrie, les armes à la main. On connaît très bien comment ça s'est terminé. Euh, et quand ces gens, ces traîtres, ces salauds ont lutté en étant du côté des nazis, aujourd'hui, il y a la même chose. Il y a des gens qui luttent du côté des néo nazis, du régime néo nazi, c'est tout à fait évident, c'est pas la peine d'entrer dans les détails ici. Si leur héros principal c'est Bandera, qui était au service d'Hitler, alors il n'y a rien à prouver. Mais ces gens existent, c'est quelques groupes et celui dont vous avez parlé, je ne sais plus quoi, un, co un corps de volontaires de je ne sais plus quoi, il y en a quatre groupes. Au total, c'est à peu près 2500 hommes. Aujourd'hui, euh, ils sont en train d'être jetés euh, comme de la chair à canon pour des attaques. Euh, ils s'attaquent euh, à la frontière nationale. Leurs pertes sont énormes. Et de ces groupes de 10 volontaires, euh, je ne sais pas combien ils sont, peut-être 1500, ils ont perdu à peu près 800 hommes sur 1500. Et ce que je voudrais dire à ce propos, ils viennent les armes à la main contre leur pays, contre leur patrie. Nous n'avons pas de peine de mort. Mais à l'égard de ces gens-là, maintenant et à l'avenir, nous aurons la même attitude qu'envers ceux qui sont dans la zone du front. Nous considérons qu'ils ont les armes à la main et tous les services de police de l'armée identifieront tous personnellement et puniront ceux qui se dresseront les armes à la main contre la patrie, contre la Russie et nous les, ne les laisserons pas tranquilles. Ils doivent le savoir. La Leur efficacité est nulle. Même sur le champ de bataille, les chefs militaires me le disent. On voit que ce n'est pas des armées régulières. Ils y vont en troupes, en foule. Ils vont se faire massacrer. Et dans l'ensemble, dans ce secteur de la frontière nationale, malgré les attaques terroristes, et nous le savons très bien déjà, les citoyens qui vivent dans ces régions-là, dans ces secteurs-là, ont fait preuve de maturité. Ils, ils ont illustré cette maturité. J'en ai parlé encore tout récemment. Ils ne sont pas effrayés. Ce n'est pas possible de les effrayer. Justement, c'est là, dans ces territoires, dans les territoires frontaliers et dans l'ensemble, il y a un taux de participation énorme. C'est justement la réponse. De ces gens à ces tentatives de les intimider et de leur faire peur. Ceux qui font ça ne comprennent pas à qui ils ont affaire. Mais en partie, peut-être heureusement qu'ils ne comprennent pas, parce que dans ce cas, évidemment, ils vont connaître la défaite. Ils essayent encore. Là, là, maintenant, ils essayent encore de pénétrer quelque part. On a éliminé presque 100% de ceux. Qui avait franchi 100 mètres de notre territoire. On a détruit 25 chars et sur cette zone frontalière, on a pu voir jusqu'à 5000 personnes, pas directement sur la frontière, mais dans les territoires à proximité, avec une perte de 45% environ. Et aussi 35, des dizaines de véhicules blindés qui ont été détruits. Si ça leur plaît, ça nous convient aussi. Parce qu'ils attaquent sans réfléchir, alors que c'est une boucherie. Nous, pour nous, c'est avantageux. Qui continuent à essayer Ça fera moins de personnes qui nous attaqueront sur d'autres secteurs du front, dans les combats. Mais dans l'ensemble, l'initiative revient complètement. À l'armée russe et dans certains secteurs, dans certains secteurs, euh, nos gars avancent chaque jour, un petit peu, progressivement, mais ils avancent. Donc c'est plus qu'une défense active, on le voit bien. En tout cas, ceux dont vous avez parlé ont un destin peu enviable. Ça, on le leur garantit. Alors allez y de ce côté, s'il vous plaît. Novosti, Marine CDB. Monsieur le Président, euh, lors de ces élections, il n'y a pas eu euh, d'opposition euh, et, et certains de l'étranger ont euh, appelé euh, à voter contre vous et euh, dans certains bureaux, il y a eu des cas euh, de euh, bulletins qui ont été souillés, etc. Quelle est votre réaction euh, Pour autant que je, comprends, euh, que je comprenne et, et, et ce que j'ai entendu, donc, euh, euh, ces appels euh, à ne pas voter ou euh, est euh, donc euh, soi-disant euh, sont considérés comme euh, une opposition et les appels à, à aller voter euh, ben moi je leur ai dit j'ai appelé à venir voter et, et je n'ai pas fait campagne pour moi même euh, j'ai voté pour euh, l'État euh, et c'est mon devoir d'État d'appeler les gens à voter. Si euh, l'opposition pense qu'il faut aller voter, euh, c'est déjà très bien. Bravo. Euh, pour autant que je comprenne, euh, cela n'a pas eu d'effet en réalité. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important. Euh, c'est que ceux qui ont souillé les bulletins. Ça, c'est très, très grave. Si vous ne voulez pas voter ou si vous voulez euh, exprimer euh, votre confiance à un candidat, au candidat que vous pensez être le bon, euh, c'est une, une chose. Mais si euh, vous essayez euh, donc euh, de, de faire votre votre devoir électoral, mais si vous souillez votre position, eh bien, ce n'est pas démocratique. Donc, vous, certains expriment leur volonté, puis d'autres viennent et souillent des bulletins. Euh, alors, avec. Et nous, donc, nous poursuivrons ceux qui ont fait ça. Conformément à la loi, conformément à notre loi électorale, etc., et à l'ordre de l'État. Allez-y, je vous en prie. Monsieur le Président, euh, que pensez-vous euh, donc des relations entre l'État, euh, entre la Chine et la Russie, euh, et à leur avenir, à l'avenir de ces relations Écoutez, en, en Chine, il y a eu un, un événement euh, très important euh, aujourd'hui. Euh, la Chine euh, se développe à une rapidité exceptionnelle, et euh, c'est ce qui est important, c'est la structure de l'économie euh, et, et la structure des changements du côté de l'innovation, du côté euh, de euh, des pro progrès de l'économie avec son caractère novateur et nous essayons de faire la même chose dans notre pays euh, parce que nous avons les mêmes tâches à résoudre dans notre pays. La République populaire de Chine euh, se, compère, se comporte de manière extrêmement active euh, à l'international et connaît de grands succès. Et toutes les tentatives euh, qui veulent, qui consistent à affaiblir euh, notamment les tentatives euh, de provocation autour de Taïwan, euh, qui, fait, qui fait partie intégrante de la Chine, eh bien, toutes les sanctions euh, qui sont appliquées à la Chine aujourd'hui euh, pour freiner son développement, euh, eh bien, euh, n'ont rien à voir avec le droit. Cela ne fait aucun doute. C'est tout à fait illégal. Et nos relations, eh bien, elles se développent euh, très rapidement depuis deux décennies. Elles se complètent, elles, elles se stabilisent l'une de l'autre et euh, elles se... Euh, elles, elles, elles vont se continuer dans le cadre d'une amitié que l'amitié que nous avons avec la République populaire de Chine mais c'est très important ce qui est important c'est que cela corresponde aux intérêts des états pour résoudre les problèmes nos problèmes communs et la question de la relation entre la Chine et la Russie est un facteur de stabilisation euh, du point de vue du développement de nos activités dans l'espace euro-asiatique euh, dans euh, un cadre où la Chine réalise ses projets, euh, notamment euh, une, une ceinture, une route, euh, qui donc l'initiative de. Euh, Xi Jinping, tout cela correspond à nos intérêts communs dans le domaine économique, dans le domaine de la politique internationale euh, et euh, ces prochaines années, euh, tout cela va se renforcer et s'intensifier euh, pour le bien de la Russie, des peuples de la Russie et de la Chine. Allez-y, donnez le microphone, s'il vous plaît. Allez-y, je vous en prie. Commerçant, Monsieur le Président, dans l'ensemble, la situation. Le, le, micro, le micro plus précieux. Dans l'ensemble, la situation euh, euh, à partir des résultats, euh, est-ce que cela correspond à vos rêves Moi, je rêve d'un pays indépendant et souverain. Euh, les résultats de ce vote vont nous permettre, avec le peuple russe, d'atteindre ces objectifs. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, Tas. Macron a dit qu'il allait demander à la Russie Macron. Macron a dit qu'il allait demander à la Russie un cessez le feu en Ukraine durant les Jeux olympiques de Paris. Est ce que la Russie est prête à examiner cette proposition et dans quelles conditions et est ce que cela va dépendre de notre participation ou non à ces Jeux olympiques? Je ne connais pas cette déclaration du président de la France. Nous sommes prêts à examiner toute question, mais euh, dans n'importe quelle situation, nous, euh, tiendrons compte des, nous prendrons en compte les intérêts de la Russie et la situation euh, de l'état, évidemment, des confrontations. Comme je le dis toujours, je le répète, nous sommes en faveur de négociations de paix, euh, mais, mais pas face à des gens qui ont des cartouches. Des, des, des balles. Donc, il faut le faire de façon sérieuse, avec des perspectives à long terme, et dans le cadre de relations de bon voisinage entre les deux États. Et euh, faire une pause pour un réarmement, euh, c'est une question très sérieuse. Et pour ce qui est des Jeux Olympiques, eh bien, euh, les fonctionnaires internationaux, euh, en dépit euh, de ce que prône l'Olympisme, je pense que c'est un sujet. À part. Allez-y, je vous en prie. Monsieur le Président, excusez ma question en anglais. Mon collègue va traduire. Euh, ABC, News, ABC News. Le journaliste Evan Gerkovic a passé cette élection en prison. Boris Nadezhdin, qui s'oppose à la guerre en Ukraine, n'a pas, pas pu, n'a pas été autorisé à participer, à se présenter contre vous. Alexei Navalny est mort dans l'une de vos prisons pendant votre campagne. Et c'est ce que vous appelez, Monsieur le Président, la démocratie. Выборы в тюрьме. Борис Надеждин, который выступает против войны, не был допущен к участию в выборах. А Алексей Навальный умер в одной из тюрем во время вашей предвыборной кампании. Является ли это демократией на ваш взгляд? C'est la vie. Euh, si Monsieur Nadzhdin n'a pas pu participer à la campagne électorale, c'est avant tout le résultat de du travail, euh, euh, du manque de préparation euh, de la part euh, de ses partisans, euh, il y a eu des erreurs qui ont été faites, des erreurs de bulletins, etc. Ça, c'était, euh, à mon avis, pour autant que je sache, euh, je pense que c'est, je, je pense que voilà, il n'y avait pas euh, euh, donc la quantité de bulletins nécessaires, etc. Pour ce qui est de Monsieur euh, Navalny, oui, il est décédé. Euh, c'est toujours un événement triste. Nous avons eu d'autres cas où des prisonniers sont décédés. Et aux États-Unis, ça n'a pas lieu, ce genre de choses Oui, et ça a eu lieu à plusieurs reprises. Pour ce qui est de. d'un événement extrêmement inattendu avant que M. Navalny décède, certains collègues m'ont dit. Euh, certains m'ont dit qu'il y a l'idée d'échanger M. Navalny euh, contre certaines personnes qui se trouvent privées de liberté dans les pays occidentaux. Vous pouvez me croire, vous pouvez ne pas me croire, mais euh, il n'a pas terminé sa phrase. Et j'ai dit, je suis d'accord. Mais malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé euh, à une condition. Euh, nous l'aurions échangé et il serait parvenu. Mais cela arrive. Cela arrive, malheureusement. Voilà, c'est la vie. Si vous voulez connaître mon opinion au sujet euh, du fait que nous sommes ou non une démocratie, je pense que nous sommes, oui, une démocratie. Et euh, à l'inverse. Euh, euh, certains pays comme votre pays euh, 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 se disent démocratiques et quand ils utilisent les ressources des autres pour attaquer euh, le président ou quand il utilise, euh, le président des États-Unis utilise les instances juridiques, nous n'avons pas de préférence euh, vis-à-vis d'un candidat ou d'un autre euh, aux États-Unis euh, d'Amérique. Mais utiliser des ressources administratives, le système judiciaire, euh, c'est tellement drôle et c'est une honte euh, pour euh, ce que vous prétendez être un système démocratique. Donc euh, nous avons tout lieu de penser qu'aucune démocratie, euh, y compris lors d'un processus préélectoral, euh, dans certains pays, euh, eh bien, tous ces, 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 ces systèmes ne sont pas aujourd'hui observé. Je vous en prie. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Bonjour, Monsieur le Président. Je vous félicite pour votre victoire euh, et Catherine et Catherine Alazaraviette Il y a quelques mois, vous avez rencontré des personnes, vous avez euh, noté euh, que euh, euh, il y a beaucoup de euh, femmes qui travaillent, notamment qui sont dans l'armée, euh, qui servent. Mais euh, ces cinq dernières années, euh, euh, dans euh, certains postes, il n'y a pas de femmes. Est-ce qu'il y a une liste de femmes potentiellement gouverneurs euh, Et, et euh, peut-être donc. Euh, à, à, alors, nous avons peu de femmes au gouvernement, mais euh, prendre ce genre de, ce genre de décision euh, exige évidemment une, une préparation professionnelle. Mais bien entendu, euh, plus il y a de femmes euh, au sein des instances dirigeantes, niveau municipal, régional et fédéral, euh, eh bien, le mieux ce sera et nous allons nous y atteler. Allez-y, je vous en prie. Euh, chaîne télévision 360. Donc, je voudrais revenir aux euh, élections. Ces trois, derniers, euh, ces trois derniers jours, à Moscou, euh, il y a eu euh, des observateurs de 129 pays. Euh, à, nous savons que certains ont dit qu'ils voulaient euh, donc, euh, 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 se prendre de l'expérience euh, euh, qu'ils ont euh, vue au cours du déroulement de ces élections. Euh, alors, je ne vais pas euh, dévoiler de secret. Euh, il y a quelques années, il y a eu des doutes sur le fonctionnement de notre euh, administration. Et on souhaite notamment, notamment s'agissant euh, du vote électronique, tout le monde était contre, euh, mais euh, en fin de compte, euh, eh bien, euh, euh, tout le monde a, a vu que c'était transparent, moderne, civilisé, euh, beaucoup de gens ont pu ainsi euh, remplir leurs devoirs. Électoral. le maire Sabianin en a euh, parlé, euh, le système est transparent et le système est totalement objectif. Ce n'est pas euh, euh, cela ne ressemble pas du tout au système de vote par la poste des États Unis d'Amérique. Euh, Aujourd'hui, euh, donc aussi, il y a des donc, les bulletins peuvent être jetés, etc., jusqu'à euh, euh, minuit, il peut y avoir des borrages durs, etc., on peut mettre des tampons. Euh, il y a eu euh, certains endroits où pendant des jours ça ne s'est pas terminé. Nous avons eu une grande quantité d'observateurs, y compris des observateurs étrangers. Mais ce n'est pas important. Eh bien, euh, quelles que soient les relations qu'ils avaient, ce sont des gens indépendants, euh, des, rep des représentants des partis également, on peut observer. Et, euh, ici, euh, donc, euh, ça n'a rien à voir avec le vote par la poste des États-Unis américains. Euh, qui contrôle Personne ne contrôle. Donc, euh, vous pouvez acheter une voix pour 10 dollars. Et vous pouvez en acheter 1000. Et ensuite, vous pouvez les, 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 les bourrer euh, euh, jusqu'à jusqu jusqu minuit. Voilà leur démocratie. Euh, tout ça n'a pas eu lieu chez nous. Alors, nous pouvons améliorer notre système, euh, et nos procédures démocratiques euh, au cours des campagnes électorales. Et bien entendu, euh, nous serons heureux de le faire et nous serons heureux de le, euh, de le faire avec tous ceux qui sont prêts à y participer de manière bienveillante. Allez-y, je vous en prie. Et, ensuite, et après, une autre, quelques autres questions, après nous en aurons terminé. Monsieur le Président, euh, je m'associe à votre, euh, à aux félicitations. Alors, euh, ceux qui ont participé euh, aux élections, eh bien, euh, donc sont, euh, correspondent à notre système politique euh, intérieur, donc notre Parlement, etc. Il s'agit là de forces sérieuses. Euh, est-ce qu'ils vont tirer euh, des euh, leçons de cette situation et euh, euh, est-ce qu'ils vont euh, euh, s'unir autour de vous? Oui. Alors, je pense que oui. Euh, déjà, à mon avis, euh, le problème, c'est que euh, aujourd'hui, depuis la chute de l'Union soviétique, euh, il y a eu une grande quantité de spécialistes, par de, de spécialistes de l'Union soviétique, qui ne savaient rien faire d'autre que lutter contre l'Union soviétique et euh, ensuite euh, donc euh, euh, séparer du territoire de la Russie. Alors, euh, il faut euh, donc. Euh, aider la Russie. Et, euh, mais cela étant dit, il y a une nouvelle euh, génération de spécialistes qui évaluent les événements et je pense qu'ils vont euh, euh, agir euh, d'une meilleure manière. Mais euh, cela ne changera pas les objectifs de la Russie. Uh, euh, félicitations à vous. On croit beaucoup en vous. Notre question, c'est la suivante. Donc, vous venez de prolonger votre mandat brillamment. Euh, Zelensky, non. Avec qui vous pouvez négocier la paix? Ça, c'est une question qui mérite d'être étudiée en détail. On verra. La suite. Bonjour. Première chaîne. Le mécanisme de constitution de votre équipe, de l'élite russe, fonctionne depuis longtemps. Vous en avez parlé. Vous avez parlé du temps des héros lors de votre allocution. Qui vous voulez voir maintenant, de, sur ceux qui peuvent entrer dans votre équipe maintenant Et à propos de. Il y, y a eu des, des attaques de, de la part de l'Ukraine. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont blessés. Et il y a un. Un an, le gouverneur Gladkov avait dit que pour assurer la sécurité de la région de Belgorod, il faudrait réunir la région de Kharkov. Je ne suis pas prêt à répondre comment nous devons réunir la région de Kharkov ni quand, mais euh, compte tenu des événements tragiques d'aujourd'hui, nous serons obligés à un moment ou à un autre, le moment opportun. Euh, prévoir une zone sanitaire et de protection pour nous protéger des attaques du régime de Kiev. Cette zone de sécurité qu'il sera difficile à franchir en utilisant les armements que l'ennemi utilise aujourd'hui et, euh, et essentiellement des armements euh, d'origine occidentale, d'origine étrangère. quelle pourrait être la profondeur de cette zone. Ça c'est une question à part. Sur la constitution de, du corps dirigeant à venir, disons que quand j'ai dit j'ai parlé de ce projet le temps des héros, euh, j'invente rien euh, je, ça m'est venu à l'esprit quand je rencontrais des, des participants à l'opération militaire spéciale à Saint-Pétersbourg. Il y avait des étudiants, il y avait des gens qui sortaient de l'université. Et c'est simplement une pensée qui m'est venue, que j'ai essayé de formuler que je voudrais aujourd'hui mettre en place. C'est des gens qui sont prêts à se sacrifier pour la patrie, euh, des gens qui, qui subissent des pertes, qui sont blessés. C'est une guerre qui est dure. Euh, en plus, ils, ils, ils combattent dans la boue, dans la saleté. Et ceux qui n'ont pas été sur place ont du mal à imaginer. Et donc, c'est des gens qui ont fait preuve de tout pour la patrie. Et donc, il faut constituer euh, une équipe dirigeante. Il faut les former. Il faut mener un travail concret avec eux. Et comment cela va se faire Tout cela. Va, défendre. Ça va dépendre, il de... faut voir aussi ce que les gens veulent faire. Certains veulent travailler dans la médecine, d'autres dans la sécurité, dans la défense, d'autres dans l'administration publique. Ça va dépendre aussi de ce que veut faire la personne elle-même. Et puis, ce n'est pas le dernier point. Et puis, il faut voir aussi à quoi cette personne est prête, à quoi elle est formée. Il y a aussi une question de formation, euh, que la personne puisse faire des études, être formée. Donc ça va dépendre aussi de la volonté des gens. Ce n'est pas une démarche de propagande, mais j'espère que c'est quelque chose qui va se faire de façon tranquillement, de façon sereine, progressive. Il y a déjà eu plus de 30 000 demandes. La première étape, ça va être une étape de sélection, une euh, première dizaine. Euh, quelques dizaines de personnes, et puis on va continuer, on va avancer dans cette direction, oui. Allez, on va bientôt terminer. Allez-y, vous. Je pensais le jeune homme, mais d'accord que ce soit une jeune fille. Journaliste Vestia, aujourd'hui, le dirigeant du Parti communiste a dit qu'il y avait une rencontre prévue demain avec le candidat Khalitonov du Parti communiste. De quoi vous voudriez parler et quand allez-vous re rencontrer les autres candidats Oui, justement, demain, il y a une rencontre qui est prévue avec tous les candidats. Et d'ailleurs, nous allons voir les résultats définitifs. Et ce que je voulais dire à propos du Parti communiste et du Parti démocrate libéral et du Parti Nouvelle Personne, le Parti Nouvelle Personne, je ne sais pas quel va être le résultat définitif, mais en tout cas, pour les citoyens, c'est toujours intéressant qu'il y ait une certaine nouveauté. Et donc les gens attendent toujours quelque chose de nouveau, une transformation. Et donc le résultat qu'ils vont obtenir, je pense que ce parti, des personnes nouvelles, je connais bien les dirigeants de ce parti, je pense qu'en premier lieu, leur attention sera concentrée sur la nécessité de réunir des conditions favorables pour les entreprises. Et dans la campagne, au cours de la campagne euh, électorale, dans leurs interventions, euh, Monsieur Davankov et tous ses collègues, je ne sais pas comment ils l'ont formulé. En tout cas, dans l'ensemble, ils ont énoncé cette idée. Euh, de, le principal, c'est justement pour eux de soutenir euh, les conditions les plus favorables pour l'entrepreneuriat. Et ça, c'est important parce que. Ce, 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 le travail de ce, cette l'activité de cette couche de la société, c'est-à-dire les entrepreneurs, c'est important parce que c'est la base des résultats à l'échelle de l'ensemble du pays. C'est important. En ce qui concerne les communistes et le parti euh, démocratique libéral, on comprend que leurs électeurs, ce sont essentiellement des gens qui sont des patriotes. Et dans les conditions d'aujourd'hui, une grande part de leur électorat traditionnel, c'est l'impression que j'ai en tout cas, a préféré euh, voter pour euh, les dirigeants actuels, c'est-à-dire dans une situation qui est délicate aujourd'hui. Et les résultats définitifs euh, ont été influencés par ça. Et j'en suis tout à fait conscient, mais cela ne signifie pas que leur base électorale euh, a diminué. Je pense que non. Simplement, dans l'ensemble, dans, dans l'exercice de notre vie politique euh, usuelle, je pense que c'est comme ça que le tableau se prépare. Allez-y. Monsieur Poutine, euh, Vestia, vous avez parlé d'une participation exceptionnelle dans les nouvelles régions. Mais est-ce que vous avez été étonné de ceux qui ont voté pour vous C'est des chiffres qui sont très proches de 100 Est-ce que ce résultat vous a étonné Est-ce que vous attendiez cela dans les nouveaux territoires Parce que c'est des gens qui sont devenus nos compatriotes tout récemment. Deuxième question. Euh, dans les pays occidentaux, il y a des déclarations qui disent que nos élections sont invalides, etc. Est-ce que ça vous préoccupe, ce que disent les dirigeants occidentaux sur nos élections En ce qui concerne les résultats dans le Donbass et dans les pays de Nouvelle-Russie et en Crimée, d'ailleurs, en fait, je pensais que les résultats seraient bons, significatifs, positifs mais qu'il serait positif à ce point-là, non, évidemment, je m'y attendais pas. Mais cela montre, premièrement, que nous agissons correctement. Les gens nous sont reconnaissants pour les décisions que nous avons prises pour les défendre. Et ça, c'est le motif essentiel de ces gens-là. Deuxième point, ils attendent de notre part une protection dans tous les sens du terme. Dans le domaine de la sécurité, et bien sûr, ils attendent un développement social de l'économie, des territoires, et nous ferons tout pour que cela, pour que les gens qui vivent sur ces territoires aient leurs attentes, leurs attentes satisfaites. En ce qui concerne la réaction de certains pays, elle est prévisible. Attendez, qu'est-ce que vous voulez Qu'ils se mettent à applaudir Non, ils, ils luttent contre nous. D'ailleurs, ils luttent par les armes contre nous, et vous, vous croyez qu'ils vont applaudir euh, les forces, même pas les forces qui sont derrière moi, pas moi personnellement, qui, qui veulent le renforcement de la Russie, sa souveraineté, sa capacité de défense, son indépendance, sa souveraineté économique et sur le plan financier. Leur objectif, c'est de contenir notre développement. Évidemment, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Votre collègue a parlé de démocratie, et je lui ai répondu, sur la façon dont nous estimons, nous apprécions la démocratie dans leur pays et dans, dans certains autres pays. Et c'est la vérité. Le monde entier rit sur ce qui se produit chez eux. Nous nous conduisons de façon beaucoup plus retenue que nos opposants dans beaucoup de pays de façon beaucoup plus retenue mais c'est une catastrophe et c'est pas c'est pas la démocratie et donc pour moi ce qui est important le choix fait par le peuple russe je m'appuie sur le peuple russe et je travaille dans l'intérêt du peuple russe et de notre état et je suis reconnaissant aux citoyens russes pour leur soutien merci ah encore une chose s'il y a des journalistes étrangers on va montrer notre humeur démocratique, notre caractère. Alors vous êtes tout seul. Vous avez été audacieux, courageux. Merci d'avoir été ici, malgré votre, esprit, euh, votre disposition d'esprit critique. Vous avez écouté ma réponse qui ne vous a peut-être pas fait plaisir, mais vous avez posé des questions intéressantes. Mais en tout cas, vous êtes là et ça dit que tout n'est pas perdu dans les pays, dans les États-Unis. Allez-y. Euh, Reuters, peut-être une question stupide, mais Macron continue de dire qu'il est possible d'envoyer des troupes européennes en Ukraine. Et donc c'est une question qui préoccupe le peuple. Considérez-vous qu'un conflit. de grande ampleur est possible entre la Russie et l'OTAN. Et est-il probable Je pense que tout est probable dans le monde d'aujourd'hui. Et cela est clair pour tout le monde. Et on sera à un pas d'une troisième guerre mondiale. Et je pense que personne n'est intéressé à cela. En ce qui concerne les déclarations du président français, il y a eu déjà des correctifs. Il a dit que ce contingent pourrait remplir des missions secondaires et participer à la formation des officiers supérieurs ou donner des explications sur l'utilisation des armements occidentaux et des missions de ce genre. Je ne vois pas tellement en quoi ça se distingue de ce que font honnêtement les, les militaires de l'OTAN. De toute façon, sont déjà présents sur place. On entend parler français, anglais dans, dans les liaisons et ils perdent beaucoup d'hommes, et en grand nombre. Et ce n'est pas notre choix. Si certains d'entre vous veulent cacher les problèmes intérieurs, de politique intérieure, en promouvant une rhétorique agressive, c'est un processus, c'est une méthode souvent employée dans le monde. Et la France a, a joué un rôle euh, qui pourrait. Euh, ne pas aggraver la situation, au contraire, mais il s'agit ici du déploiement. Il y a aussi les moyens de règlement de paix. Je pense que la France, ici, pourrait jouer un rôle, donc tout n'est pas perdu. Mais malgré tout, je voudrais terminer par ma, mes propos de reconnaissance. Au peuple russe, nous ferons, je le répète, tout ce qui dépend de nous pour parvenir aux objectifs de développement de notre pays dans toutes les directions. Je vous remercie. Au revoir.